Gardez votre iPhone ou iPad à jour et profitez des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité d'un jeu d'enfant. Nous allons vous montrer comment mettre à jour votre appareil sans fil et comment le mettre à jour à l'aide de votre ordinateur. Avant de commencer, veillez à sauvegarder votre appareil, à le brancher à une source d'alimentation et à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Si vous utilisez un ordinateur Mac ou Windows, vous aurez besoin d'un câble compatible. Commençons par la mise à jour sans fil. Lorsqu'une mise à jour est disponible pour votre appareil, il se peut qu'une fenêtre s'affiche et vous invite à installer la mise à jour. Sinon, vous pouvez ouvrir « Réglages ». Touchez « Général », puis touchez « Mise à jour logicielle ». Sous iOS 13.6 ou une version ultérieure, les mises à jour automatiques sont activées par défaut. Votre appareil se mettra automatiquement à jour pendant la nuit s'il est en charge, mais il est possible que certaines mises à jour doivent être installées manuellement. Pour mettre à jour votre appareil, touchez « Installer ». Tapez votre code, puis suivez les instructions. Si un message vous indique que vous avez besoin de plus d'espace sur votre appareil pour une mise à jour sans fil, vous pouvez supprimer du contenu manuellement ou effectuer la mise à jour à l'aide de votre ordinateur. Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad à l'aide de votre ordinateur, branchez l'appareil à votre ordinateur et assurez-vous que ce dernier est connecté à Internet. Si vous utilisez un Mac avec macOS Catalina ou une version ultérieure, ouvrez le Finder. Si vous utilisez un Mac avec macOS Mojave ou une version antérieure, ou un ordinateur Windows, ouvrez iTunes. Un message vous invitant à mettre à jour votre appareil devrait s'afficher lorsque vous branchez ce dernier à votre ordinateur. Dans le cas contraire, cherchez votre appareil dans la barre latérale et accédez à l'onglet « Général ». Dans certaines versions d'iTunes, l'option peut apparaître sous « Réglages ». Ensuite, cliquez sur « Mettre à jour ». Cliquez alors sur « Télécharger » et « Mettre à jour », puis suivez les instructions. Vous pouvez maintenant garder votre iPhone ou iPad à jour et profiter de toutes les dernières fonctionnalités. Vous voulez plus d'astuces utiles? Abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant.